Et voilà, c'est parti. Alors, par contre, c'est le seul truc que j'ai pas fait, c'est j'ai pas j'ai pas réglé le Stream Deck. Donc en fait, attendez 2 minutes. J'ai accès à tout ça. Voilà. Oh, que c'est joli. Est-ce que c'est le bon titre qui est actif? Je crois pas. Je crois qu'ils sont tous là. Attendez 2 minutes. Voilà. C'est encore mieux. Donc, évidemment, Tetris, sorti en 1989, je n'étais pas né. Année évidemment de la sortie de la Game Boy, vu que c'était le jeu de lancement de la Game Boy. La Game Boy, console portable. Alors, première console portable à cartouche interchangeable, beaucoup de sources divergent. Et très grande console portable, évidemment, c'est évidemment une console sortie par Nintendo, évidemment. La Nintendo Game Boy, et surtout, donc du coup, on va jouer au premier jeu de la Game Boy que j'avais. Et surtout, c'est un jeu avec une histoire assez incroyable. Est-ce que j'en parle avant? Je vais en parler avant, avant qu'on se lance. Même si on le verra un petit peu après. On va pouvoir lancer le jeu et on verra. Donc du coup, c'est un jeu qui a été, dont la licence a été achetée par Nintendo. Et il faut savoir un truc, le son n'est pas très fort. Et il faut savoir un truc, c'est qu'en fait, donc Nintendo a acheté la licence Tetris pour bah, sortir le jeu de lancement de la Game Boy. Et il faut savoir un truc. Il y en a eu une autre avant, ouais, je sais plus quel autre il y avait à cartouche interchangeable. C'était pas la. Ah, c'était la Macrovision ou un truc du genre. La Microvision, je crois que c'était la Microvision de Milton Bradley. Et donc je disais, donc voilà, Nintendo a acheté la licence Tetris pour le sortir sur la Game Boy. Et il faut savoir un truc, c'est que Sergei Pajitnov, donc la personne qui a créé le concept Tetris, n'a touché aucune royalty de cet achat de licence, étant donné qu'à l'époque, 89, c'était avant la chute du mur de Berlin. Et donc c'était bah, c'était la Russie communiste. Ils ont le droit à des consoles de salon comme on ressort fait de la merde. Oui, ça, il y a eu ça aussi. Mais du coup, donc Nintendo a acheté la licence légalement, mais Sergei Pajitnov n'a eu aucune royalty parce que bah, c'était la Russie communiste, c'était l'URSS. Donc du coup, bah, c'est l'URSS qu'à tout prix. Donc l'argent que Nintendo avait mis dans la licence est passé totalement à la trappe. Alors par contre, le son est royalement faible. Comment ceci est possible? Je cherche ma souris, hein, ne vous inquiétez pas. Mais un genre de volume. Ludo. J'ai mis Ludo à fond. Alors c'est peut-être moi aussi que le son est faible, mais j'ai l'impression que le son est faible chez vous aussi, donc c'est assez bizarre. Donc évidemment, on a deux types de jeux, on va jouer évidemment au type A, et on a plusieurs musiques. La musique A, c'est Korobeiniki, qui est très connue, c'est une musique russe. Celle-là, je ne sais plus. Celle-là, je ne sais plus non plus. Et celle-là, elle est très connue. Donc c'est une musique typique russe, on va dire. Et jouer là-dessus, et on va se lancer là-dessus. Donc, jeu sorti en 1989. Il faut savoir que la Game Boy. Oui, elle est libre de droit, Korobeiniki. Elle est libre de droit. Alors, je vais devoir jouer à Tetris tout en parlant, et ça, c'est assez difficile. Parce que là, je suis déjà baisé, comme vous voyez bien. Alors, on va essayer de. Voilà, on va essayer de faire de la merde déjà. Donc j'allais dire, qu'est-ce que j'allais dire, je ne sais plus. On va virer cette ligne-là, voilà, super. Oui, donc la Game Boy est une console embarquant en fait un processeur 8 bits comme la NES en fait. Mettez-vous ça dans le coin de la tête et vous allez voir après. Donc petit processeur 8 bits custom par Sharp, fait par Sharp.
embarquant très peu de mémoire, très peu de mémoire vidéo aussi, évidemment. C'est pour ça que la Game Boy faisait du noir et blanc, puisque aussi, ben voilà, c'était surtout pour faire une console à pas cher, chose que Nintendo sait faire, sait toujours faire d'ailleurs. Des consoles qui sont pas très puissantes, mais qui ont un catalogue de jeux mémorables, dont la Game Boy. Alors, les deux prochains jeux sont pas très mémorables, c'est des jeux juste que j'avais, les deux prochains jeux. Vous les verrez tout à l'heure. Mais c'est des jeux où il y a des choses à dire dessus. Et ça, c'est hyper bien. Alors, pour l'instant, là, je cherche après mon truc. Voilà. Et mon Pachak, il a failli ne pas sortir à cause de son écran. Oui, parce que l'écran, évidemment. Alors, c'est surtout aussi que... donc, la Game Boy... a été évidemment imaginé par Gunpei Yokoi, la personne pour qui je pense que Nintendo aurait dû faire beaucoup plus de choses. Qui fera la WonderSwan, hein, qui une fois qu'il aura quitté Nintendo, fera la WonderSwan avant de mourir paisiblement. Mais c'est surtout aussi que Gunpei Yokoi est la personne qui a breveté la croix directionnelle, d'ailleurs le saviez-vous. Mais vous ne trouverez jamais de console de jeu. On va mettre ça là. Autre que chez Nintendo, avec une croix directionnelle à la Game Boy style, à la Nintendo style en fait. Parce que c'est breveté par Nintendo. Ouais, mais Hiroshi Yamauchi aussi, voilà quoi. Qui se sèche des lunettes hein, aussi. Non, le brevet n'est pas expiré. À ma connaissance, le brevet n'est pas expiré. Après, c'est un peu comme on en parlait à Glamo, je sais plus quand, mais à un moment donné, on en parlait. Des brevets que qu'ont Nintendo et à ce niveau-là, mais par exemple les vibrations. Par exemple les vibrations Nintendo, en fait on parlait du online. Mais les vibrations en fait c'est un brevet de chez Nintendo. C'est Nintendo qui a breveté un truc des vibrations, tandis que les autres, donc Sony et Microsoft, ont cherché plutôt à licence. Avoir la licence de trucs qui existaient déjà, je vais perdre, hein, vous inquiétez pas, c'est prévu. Ben non, il y a une autre barre après, on dit. Alors, la première Game Boy était, oui, c'était vert, alors c'était vert, je crois pas qu'on puisse l'avoir avec cet émulateur là, mais c'était verdâtre. On va dire au niveau des couleurs, avec un fond, oui, un peu jaunâtre. J'aurais pu vous ramener ma Game Boy, en fait. Je suis très con, j'ai pas du tout pensé. J'ai une Game Boy, elle marche toujours. Hein. Game Boy première du nom, je l'ai toujours, elle marche toujours. Et c'est très con, j'aurais pu vous la ramener. J'ai complètement oublié. Là, c'est un peu comme si je jouais, oui, à la Game Boy Pocket ou on va dire à une version un peu modifiée de la Game Boy où on aurait mis un écran LCD à la place, quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur la Game Boy ? C'est une console qui a été dans l'espace, d'ailleurs. D'ailleurs, Tetris a été dans l'espace, c'est le jeu qui a été dans l'espace. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi ? Évidemment, plus tard, il y aura la Game Boy Color, qui sera exactement la même chose, avec plus de mémoire vidéo pour supporter la couleur. Mais sinon, c'est exactement la même console. Vous allez voir, après,
Là, on est en 89. 89, la NES est encore de sortie. Beaucoup de gens disaient que la Game Boy c'était une mini NES noir et blanc. Processeur un peu plus rapide, oui, bah, pour pouvoir gérer en fait du coup la couleur. Sachant qu'il y a des jeux qui peuvent tourner en fait sur Game Boy. Game Boy et Game Boy Color. Donc du coup. Bon, on va faire ça parce que ça me gêne. Voilà, comme ça, lui, on va pouvoir faire ça. Ah, c'est chiant ça. Ça va, hein. Le problème, c'est que j'attends une barre et je l'aurai jamais, donc. Ah, si. M'ennuie avec le port. C'est l'autre. C'est perdu. C'est perdu. D'accord. Voilà, non! C'est pas ça que je voulais faire. La panique. Ah non, mais arrivé à la fin. Non, mais je voulais pas. Voilà. Mais non! Qui a eu l'idée de mettre accepté sur B? Qui chez Nintendo s'est dit que c'était une bonne idée? Attendez, je vais faire plus de scores en faisant plus de merde? D'accord. On va faire le B-Type. Level 9 d'un coup. Non, on va se mettre en 0. Oui, le seul modèle de la Game Boy, oui, parce qu'il y a eu aussi la Game Boy Light avec un rétro-éclairage. Avec un rétro-éclairage qui est sorti qu'au Japon. C'est vraiment le seul modèle qu'on a. On n'a pas eu, je savais plus. C'était que ce modèle-là qu'on n'a pas eu. Ah ouais? Là, je suis très mal barré parce que j'ai laissé un trou. Mais ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur la Game Boy? Qu'est-ce qu'il y a d'autre chose à dire sur la Game Boy? Pardon, oui, elle a été dans l'espace. Elle a survécu aussi à une grenade. C'est vrai aussi. Survécu à une grenade. Fonctionnait toujours. C'est la console aussi qui. Alors, je sais plus si c'est encore la console qui s'est vendue le plus cher. Mais c'était une Game Boy plaqué or avec un contour en diamant. Donc, tout le contour de l'écran que vous voyez, hein, voilà, était incrusté de petits diamants. Et du coup, qui s'est vendu à des millions, milliards, vous avez vu? Exactement. Je sais pas si elle a été détrônée depuis. Ouais, au pire, admettons. Admettons. Et ouais, je ne pense pas qu'elle a été détrônée. Du titre de la console vendue le plus cher. La plus chère, du coup. Petite détrice.
Oui, j'ai essayé de... De faire tourner ce... Qu'est-ce qui ne servait à rien? Vous m'ennuyez avec le port. Ah, elle n'est pas passée. Bon, m'ennuyer avec le port. Cette musique vous rentrera dans le crâne jusqu'à la fin de vos jours. Bon, c'est pas grave. On va la mettre là, elle. Mal barré. Là, oui. Ah. À une. C'était très mal barré hein, dès le début. Hein. Et puis là j'appuie sur A alors qu'il faut appuyer sur B. Bah, c'est surtout en fait jouer et réfléchir à quoi dire en même temps. Pas hyper simple. Et surtout j'essaie de me rappeler de choses liées à la Game Boy. Parce qu'il y a des anecdotes, mais les anecdotes j'en dirai au moment venu si j'y pense. Après, je peux dire que, évidemment, la Game Boy est une console utilisant nos très chères et vénérables piles alcalines. 4 piles. Ah! Moi, la Game Boy Advance, je ne l'ai pas eu. La Game Boy Advance, j'y ai joué en émulation, en fait, tout simplement. Oh là là, c'est pas bien. Mais j'y ai joué en émulation. Sur un superbe Packard Bell portable. C'était une grosse Game Boy Advance quoi. Moi du coup j'ai eu la Game Boy, j'ai pas eu la Game Boy Color, j'ai eu la DS après. On se fera peut-être une, pas tout de suite hein, mais on se fera peut-être une soirée. Une soirée DS. Ça pourrait être intéressant. Surtout que l'émulation DS est pas mal, parce que je vais pas m'amuser à brancher ma DS. Hein. C'est bon. Mais c'est ça en fait, c'est que l'émulation Game Boy. C'est-à-dire que c'était la grande époque où. Cet ordi-là où je jouais à la Game Boy Advance dessus. Était pas hyper puissant, mais dès que j'avais eu un PC un peu plus puissant, enfin j'avais un PC fixe aussi,
Et ce qui fait en gros sur le PC fixe, bah, je m'amusais à chercher à émuler des consoles plus puissantes. Et en fait, l'émulation Game Boy Advance était, bah, je vais pas dire parfaite, mais elle était pas loin d'être parfaite, quoi. Et du coup, bah, ça, comparé à d'autres consoles, par exemple la PS2, je viens galérer d'émuler de la PS2. Alors que maintenant, c'est trivial, hein, l'émulation PS2. Enfin, vous prenez PCSX2, c'est bon, l'émulation elle tourne. Hein. Y a pas de souci. Hein. Là, on a quand même une très très bonne émulation. Et même à la rigueur, vous avez des consoles actuelles. Vous prenez par exemple la Switch. La Switch s'émule assez facilement. Vous prenez. Super. PCSX2 beaucoup chez toi. Ça fait du bien. Vérifie que tu as choisi le bon plugin. Parce qu'en fait, le problème de PCSX2, et je l'ai découvert bien tard, c'est que à l'époque, en fait, j'avais un processeur compatible SSE2. Donc c'est un jeu d'instruction pour processeur, on va faire très simple. Et en fait, moi, j'avais pris le plugin SSE3, et en fait, le processeur ramait à mort parce qu'en fait, il y avait des instructions qu'il ne comprenait pas, en gros. Donc, vérifie que tu as bien choisi le bon. Typiquement, maintenant, c'est le AVX. Et je vois pas. Voilà, le AVX tourne super bien. Et surtout qu'en fait, si tu prends pas ça et que tu utilises par exemple le SSE2, bah, tu vas te dire, bah merde, ça rame. Qu'en fait, ça devrait pas, quoi. L'émulation PS2, elle est assez stable maintenant, je trouve. Ah oui, d'accord, level c'est la vitesse et puis high c'est le nombre de lignes. Mais du coup, ouais, après l'émulation DS. Bah oui, du coup, c'est ça l'émulation DS. Le truc, c'est que. Bah, faut jouer au clavier, n'importe quoi. À la souris pour émuler le stylet. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Mais pour. Par exemple, pour des jeux comme Phoenix Wright, jouer à la souris, c'est. Y a aucun problème, quoi. Au contraire, ça fait comme si t'avais un bon petit jeu. Voilà. C'est comme l'émulation. Il y a quoi d'autre? L'émulation PSP est super bien avancée maintenant. L'émulation PSP, elle est cool. L'émulation Wii. Wii et GameCube. Parfaite. C'est parce qu'on n'a pas fini avec les R16 bits, hein, mais. Se faire un petit peu d'émulation GameCube en C4, ça serait intéressant aussi. Alors que je n'ai jamais eu la GameCube. J'étais ce genre d'ami qui squattait chez les potes. Non, je déconne. Enfin, je déconne, à moitié. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Ah oui, l'émulation moi que j'attends et que j'ai toujours pas trouvé un truc stable, c'est l'émulation Xbox. L'émulation Xbox, j'arrive à émuler de la PS3, mais alors là l'émulation Xbox, elle est juste Xbox, hein, pas 360, je m'en fous, mais juste Xbox. Alors là, c'est introuvable. Je ne sais, enfin, pas vraiment introuvable, mais l'émulation, elle est pas complète, quoi. Alors qu'on pourrait se dire, voilà, la PS2, ça tourne, la GameCube, ça tourne extraordinairement bien. Pourquoi pas la Xbox, quoi. Mais l'émulation n'est pas là.
elle existe sur Xbox Series X et Series S, mais pas tous les jeux. Tous les jeux ne sont pas compatibles, quoi. Et surtout, y a pas que ça, c'est que bon. Le truc de l'émulation, c'est aussi la sauvegarde un petit peu du patrimoine. C'est que là, il y a des jeux qui sont plus disponibles du tout, quoi. Alors qu'ils sont disponibles en RIP. D'ailleurs, en parlant de RIP, SoonTM, on va RIP. Voilà, super simple. C'est super génial, ça. Non, tourne. Bon, bah, c'est fini. La fin a mis du temps à être au psy, ouais. Ouais. Non, c'est ça, je veux. Merci. Ah oui, non, d'accord, c'est ça le truc. Ok. Te fous dans la merde déjà avant et après tu dois t'en dépêter. Ok. Bah, Dolphin, en fait, Dolphin, je crois que je n'ai pas trop connu les versions vraiment bêta de Dolphin. Donc, je crois que Dolphin tournait assez bien dès le début. Bah, surtout que moi, je me cassais la tête avec l'émulation PS2, quoi. Donc, bon. Parce qu'évidemment, émulation PS2, qui dit émulation PS2 dit les Final Fantasy. Donc du coup, forcément. Bah, c'est un peu comme CEMU, quoi. Un peu comme CEMU à l'heure actuelle, quoi. L'émulateur Wii U, où il te faut un assez bon PC. Même si, encore une fois, là ça tourne, quoi. Avec l'API Vulkan et tout ça, la Wii U, ça tourne. C'est juste con qu'il n'y a, pas énormément de jeux bien sur Wii U, quoi. C'est un peu ça le problème. Gna gna gna, il y a Breath of the Wild, oui, et... Ouais, c'est ça. En fait, les meilleurs jeux de la Wii U sont ressortis sur Switch. Donc en fait, autant prendre une Switch, quoi. Ou attendre l'émulation Switch. Non, prenez une Switch. Soutenez les développeurs. Quand c'est des vieilles consoles comme ça, comme la Game Boy, comme la PS2, c'est bon. Vous n'allez pas me dire que Sony va perdre de l'argent si vous émulez de la PS2, quoi. Mais bon, quand c'est des consoles récentes, bon. Très honnêtement. Ah, dilemme. Dilemme numéro 2. Ça marchera pas. Avec Xenoblade, je voulais essayer. Parce que l'émulateur Wii U. Et je sais pas, j'ai pas accroché au style de jeu. Bon, après, faut dire que j'étais en même temps sur Monster Hunter. Donc je me dis, bon, c'est pour me refaire deux Monster Crawler, ça me... Au bout d'un moment, non, c'est bon, j'en ai déjà un, ça me va, quoi. Yep. Ah. Heure du décès. 21h02. Débranchez tout. Super.
monter un petit peu quand même. Bah, je tiens à dire, ça fait déjà une demi-heure qu'on joue à Tetris quand même. Donc on va peut-être passer sur le prochain jeu. On va passer sur le prochain jeu. Ah oui. Non, échappe. Non. Ah putain, mais je suis pas sur Ludo. Attendez. Voilà. Alors, on va changer de jeu. Et on va continuer de parler de la Game Boy, évidemment, on est là pour ça. Je cherche ma souris. Hein. Donc, prochain jeu. Un jeu tiré d'un film. Alors, vous les voyez tous là, hein, donc la surprise n'est plus là, mais bon. Un jeu tiré d'un film, à la poursuite d'Octobre Rouge. Alors, pourquoi je voulais parler de ce jeu, en fait ? C'est un jeu sorti en 1991. Donc dérivé du film à la poursuite d'Octobre Rouge. Et c'est en fait développé par Hi-Tech Expression, les mêmes qui feront ou ont fait, je ne sais plus si on se place dans la bonne timeline, les jeux Barbie sur Super Nintendo. Et même, je crois, sur Mega Drive aussi. Donc en gros, vous avez une équipe de développeurs qui code un jeu tiré d'une licence, hein, parce que c'est un jeu... tiré d'une licence du film à la poursuite d'Octobre Rouge, et derrière vous avez une autre équipe qui code Barbie, et vous en avez une autre, si vous recherchez bien, Hi-Tech Expression, qui code Megaman sur PC. Si je me trompe pas. Alors c'est une entreprise où tout peut arriver. Donc pour ceux qui connaissent pas le film, bon bah voilà, c'est Octobre Rouge, le sous-marin, tout ça, le sous-marin soviétique perdu, voilà, donc on est à la poursuite, regardez le film si vous l'avez pas vu. Cette musique que vous entendez, c'est l'hymne national russe. Parce que pourquoi putain de pas ? Mais au moins, on est sûr de pas être baisé niveau copyright. Donc c'est un jeu de sous-marin, voilà, tout qui est de plus classique, avec différents tableaux, on avance, etc., etc. Meilleur hymne au monde. Eh oui. Et ça, c'est, voilà, donc les mecs se sont dit, bon, on va mettre ça. Donc on conduit le sous-marin comme si c'était un putain de pétrolier, mais non, c'est un sous-marin. Donc on avance avec les flèches, on monte, on descend. Le bouton B sert à lancer des missiles. Missiles évidemment qui retombent, comme vous pouvez le voir, sur une de la minimap qui est en bas. Et quand on appuie sur le bouton A, on lance des missiles à tête chercheuse. L'objectif évidemment, c'est d'arriver du point A au point B, tout ça quoi, en gros. Comme dans tous les jeux de cette époque, il y a un score que tout le monde se fout. Voilà, et évidemment, c'est le Dr Maboul. Il faut essayer de ne pas toucher les bords. Donc là, on est 2 ans après Tetris. Et j'ai déjà quasiment plus de vie. Voilà. Parce que chez Hi-Tech Expression, les mecs qui faisaient Barbie, bah évidemment, ils étaient hyper sympas. Et les mecs qui faisaient Papa Barbie, c'était des connards. Voilà. Ah. Évidemment, on se tourne pas très vite. Ah, donc là il faut faire demi-tour. Parce que le saviez-vous, on peut faire un créneau. Un des pires jeux de la console, je ne sais pas du tout. J'ai pas regardé, tiens, si tu as des infos là-dessus, ça serait sympa. Je sais pas. Si j'ai un des pires jeux de la console, je suis content. Tu vois, j'ai Tintin au Tibet sur Super Nintendo, ça serait pas étonnant que j'ai. que j'ai. Poursuite d'Octobre Rouge sur Game Boy, hein, ça serait. Très malheureux. Please, quoi. Bon, on va essayer de juste foncer jusqu'au bout.
Non mais... Quand même, est super bien programmé, hein. Les missiles à tête chercheuse sur console 8 bits. Aïe. Et voilà, game over. Simple votre jeu, non? Bon, je dis ça, mais j'ai pas réussi à passer le truc durant la séance de test. Là, c'est parce que, évidemment, c'est le stream, donc je suis troublé. Ah, mais c'est... Tu connais pas la mitrailleuse torpilleur? C'est un Katyusha sur un pétrolier, quoi. Non, mais le pire dans ce jeu... J'ai pris 3 missiles, j'ai déjà perdu plus de la moitié de ma vie, quoi. Allez, hop. Ah oui, parce que, évidemment, quand on est à l'envers... Bah, on tire à l'envers. Logique. Oh là 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 là, j'ai déjà plus de vie, quoi. Aïe. Je me suis raclé. En fait, ça me fait un peu penser à Airwolf sur Amstrad. Je veux vivre, s'il vous plaît. Non mais putain. Non. Le missile qui est bourré. Aïe. Blam 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 blam. Donc voilà, la poursuite d'Octobre Rouge, ce jeu pour toute la famille. Surtout si vous avez envie de balancer votre Game Boy par la fenêtre. Il y a tellement des bruits dans tous les sens que le chipset son de la Game Boy a du mal, quoi. Une vie. Je crois que c'est une vie. Non mais missile. Le missile est bourré. Missile. Hop. Hop. J'ai garé l'estafette. Non, missile. Super. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Mais maintenant, il me tire des boulets dans la gueule. Tut, tut, tut. Ok, deux vies. En fait, il est pas si dur que ça, c'est juste qu'il faut récupérer ces sortes de boucliers, en fait, qui sont tes vies, quoi. Non, super, bravo. Allez, on se tourne. Mais je sais jamais comment... Voilà, putain. Comment on se tourne dans ce jeu. Hop. Qui a eu l'idée de passer par là? Vous auriez pu mettre l'hymne russe, hein. Ça aurait été... Vite! Vite, super gland, vite! Aïe! Hop! D'accord. Oh! Tu veux? Oh là 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 là. Non mais là il se bombarde lui-même en fait.
Défi speedrun dans Tech Damage. À regarder sur speedrun.com. Très franchement, tu regardes. Déjà, qui serait assez con pour speedrun ce jeu, déjà de 1. Mais est-ce qu'il y en a un qui l'a fait en no tech damage? Oh, ce jeu. Et oui, c'est jeu où. On dirait qu'on est dans un pachinko. Oh putain, oui, c'est vrai. Ah oui! ASMR sur 20. Alors, est-ce que vous aimez... Vous aimez le son du silence? J'attaque le virus du Covid à coups de missiles. Alors le jeu, c'est... le nom du jeu, c'est... déjà, c'est marqué au-dessus, et c'est... donc, à la poursuite d'Octobre Rouge, The Hunt for Red October... Le virus du Covid est éliminé. Donc tiré du film à la poursuite d'Octobre Rouge avec Sean Connery. Un jeu à licence. Un beat the game. Ah, juste terminer le jeu, quoi. 36 minutes 50. Bon, bah, du coup, on peut se dire que c'est un jeu qui, à la base, au moins, te faisait pas bouffer toutes les piles de ta Game Boy. Ah, mais on peut foncer dedans. Hop, on garde les staffettes. Hop, hop. Mais, cassez-vous. Bah, du coup, au moins, le mec, il a le record du monde. Hein. Ah, oui. Attends. Aïe, c'est bon. Ah. Tut. Ah, une petite vie, bam, dans le mur. Aïe, oui. Mais qui a eu l'idée de faire des trucs aussi petits, quoi? Ou de faire un sous-marin aussi grand? Hop. Oh là. Aïe. Pérou! Ah oui, évidemment, pas de continu, hein. Ah bah attendez, oh. Quand même un jeu Game Boy, quoi. Qui a eu l'idée de faire ça, j'en sais rien. Meilleure boucle de 3 secondes. Alors. Évidemment, on recommence. Ré, 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 ré.
Bref. Les boulettes c'est gras, mais ce n'est pas le dernier. Après, il y a beaucoup de jeux Game Boy, même beaucoup trop, hein, jeux Game Boy, où vous recommencez. C'est-à-dire qu'on est en 91, il ne viendrait pas à l'idée de mettre sur Game Boy un RPG ou des trucs, quoi. Enfin... Surtout que 91, il y a les Mario qui sont sortis sur Game Boy. Personne n'aurait l'idée de se dire bon, on va se mettre on va attaquer Nintendo sur leur terrain, quoi. Sachant qu'il y a même eu Donkey Kong Country, je crois, 81. Ben non, je suis con. Pas du tout, c'est pas possible. Donc non, il y a même pas encore les Donkey Kong sur Game Boy. Donc 91, la Super NES est même pas encore sortie. Il y a eu Mystic Quest. Ah, c'est rigolo parce que... Alors, Mystic Quest, Final Fantasy Gaiden, je suppose. C'est pas Mystic Quest, parce que Mystic Quest n'existe pas, je crois, au Japon. C'est Final Fantasy Gaiden. Alors, pourquoi je dis c'est rigolo? Parce que le RPG qu'on va faire, et oui, c'est Final Fantasy Legend. Oui, ça, d'accord. Bah, c'est nous en fait qu'on a gardé Mystic Quest, quoi. Ah, les sagas sont sortis sur... non... Romancing Saga et tout ça? C'est sorti sur Game Boy. Ah ouais. Merde alors. Ça, j'en ai aucun souvenir. Pas enfin, surtout 89, non, j'en ai aucun souvenir, mais... J'ai pas du tout... Comment je fais pour passer la Docteur Maboule? Juste les sagas? C'est pour ça que ça m'a pas... Ah non, ça. Ah. Alors, typiquement, il y a des jeux que je devrais faire sur Super Nintendo, parce qu'évidemment, Secret of Mana, je l'ai eu. Mais c'est pareil, Secret of Mana, évidemment que ça vaut le coup de le faire en stream, mais bon, c'est un jeu avec beaucoup trop d'heures pour être fait juste dans une émission à la con, quoi. Mais voilà, 91, la SNES est sortie, mais pas en France, quoi. Ça, c'était... Je me doute, parce que la plupart des jeux PAL sont mis à 92 minimum. Très bien, Michel s'est suicidé. On va finir le niveau en marche arrière. Hein. Et je fais comment là, Jean Roger? D'accord. Super.
Ah oui. Tu peux te retourner, Michel. Je veux te dire que tu peux te retourner. Merci. Non. Non, mais. C'est parce que Michel s'est pas retourné, quoi. Oh. De player, ça fait quoi? Ah oui. Ah oui, ça doit être avec le câble Link, évidemment. Évidemment. Donc ouais, on sera peut-être un petit Mystic Quest, un petit Mystic Quest. Et non, l'épisode Super Nintendo, attention, hein. Pas de l'épisode Game Boy. L'épisode Super Nintendo de Mystic Quest. Mystic Quest Legend, du coup, je crois qu'il s'appelle. Et que j'avais le guide. Étant petit, j'avais le guide. Souvenez-vous, les guides papier. Jeu de merde. Lequel? Celui qu'on joue ou Mystic Quest? Je sais pas si vous avez vu télé sur le stream. Mystic Quest Legend. Ah, tu verras Mystic Quest Legend. Il est trop bien. Les musiques sont superbes, mais en même temps, on est sur de la Super Nintendo. Donc. Moi aussi. Ouais, je l'ai pas fini en fait. Je me suis arrêté à. Après le. Bah, en fait, je me suis arrêté avant la tour du vent. Ah oui, non, mais ça, je dis pas qu'il est pas. Il... Pour moi, c'est un. C'est pour ça que pour moi, c'est un très bon JRPG. Parce que c'est un JRPG qui est. Qui est hyper simple à prendre en main. C'est vraiment une personne qui a jamais fait de JRPG, bah, du coup jouer à Mystic Quest Legend quoi. C'est le truc, le concept il est simple. Il y a vraiment. Moi je fais n'importe quoi. Hein. Après les FF et Dragon Quest. Oui, parce que nous. Attends, ôte-moi d'un doute. On les a jamais eu les FF en Europe, si? Les premiers FF se sortent, FF 1, 2 et 3. Oui, voilà, le premier FF, c'est le 16, le 7 qu'on a eu. Oui, donc du coup, nous, la saga Final Fantasy, on le connaissait pas. Bah, tu vas me dire, après, c'est comme la saga Senki Densetsu. Typiquement, on la connaît pas en France.
Nous, on a eu Secret of Mana, on a eu Secret of Evermore. On a eu... Ouais, c'est tout. En fait, c'est déjà bien. Oui et non. Ah, c'est soit oui, soit non, mais c'est pas les deux. On a eu les deux premiers épisodes. Je crois que la carte son a bugué. Ah là, ça va mieux. Le chipset son, il a bugué, non? C'est ça, oui, Secret of Mana, c'est le second opus des 5K, donc oui. Mais c'est quoi Final Fantasy Gaiden, 5K Defensu? Ah oui, putain, oui, c'est ça le Micmac. C'est ça le Micmac. C'est vrai. Mais oui. En fait, Final Fantasy Gaiden, c'est Senkai Densetsu 1. Que nous, on a appelé Mystic Quest. Faut suivre. C'est vrai. Et du coup, Mystic Quest Legend, c'est juste le... Mais en fait, Mystic Quest Legend n'a rien à voir. Parce que c'est pas un 5e Netsensu, en fait. Mais ça, c'est... Bon, après, tu vas me dire, en France, on est assez con pour appeler Star Fox Star Wing. Enfin, en France, en Europe. Voilà. Pas d'autres comme jeu encore qu'on a renommé à l'arrache parce que. Oui, c'est ça. Bah, c'est comme Resident Evil et Biohazard. Même si, dans un sens, c'est très con, parce que Biohazard, c'est un mot, mais vu qu'il y a un groupe qui s'appelait Biohazard, bah du coup, voilà, quoi. Moi, je connais Spy Fox. Oh là 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 là. Mais pourquoi faire passer un truc de 3 km de long dans un petit tunnel, quoi? Prenez pas ça pour autre chose. Ah oui. Qui n'a pas de sens en fait. ça n'a pas de sens de se faire appeler Dragon Warrior. Bon, je pense qu'on va passer à l'autre jeu. Ça nous donnera un petit peu plus de temps pour le dernier jeu, évidemment. Donc on va passer au troisième jeu de cette soirée. Qui est Universal Soldier. Alors, Universal Soldier... Yes, c'est le bon titre. Alors, je cherche ma souris, super. Donc, on va passer sur Universal Soldier. Universal Soldier, sorti en 1992. Vous voyez, on avance un tout petit peu, au fur et à mesure. C'est surtout que Universal Soldier, pourquoi il y a des choses à dire. Universal Soldier, alors c'est encore un jeu à licence, hein, évidemment... la Game Boy, comme la GBA en son époque, était bourrée de jeux à licence. C'est surtout que là, on parle quand même d'un jeu. Rappelez-vous, la Game Boy, c'est une console 8 bits, même si elle a un accès mémoire 16 bits, mais bon, passons. Mais c'est une console sur un CPU 8 bits fait par Sharp en 1989.
Et là, on a Universal Soldier. Universal Soldier, c'est un jeu, c'est Turrican sur Amiga. Donc vous avez l'Amiga, et là vous avez un jeu Amiga sur Game Boy. Fait par Accolade. Donc c'est un jeu, donc sinon ça vous regarderez. Développé par The Code Monkeys, édité par Accolade, avec de la musique vraiment pétaradante, tout ce que vous voulez, hein, évidemment. Et c'est surtout Turrican 2 sur Amiga. Alors évidemment en noir et blanc, mais vous avez quand même des gens qui se sont dit, pour faire un jeu à licence, on va sortir Turrican 2. C'est comme si à l'heure actuelle vous avez The Witcher 3 sur calculatrice, quoi. Là on voit, on entend le chipset sonore beaucoup plus maîtrisé, hein. Voilà, donc on a évidemment le truc de Turrican, en fait, avec quand on laisse appuyer, on peut tirer, on va dire, un jet de projectile dans tous les sens. Donc ça, c'est un jeu aussi que j'avais sur Game Boy, que je réussissais jamais vraiment à jouer convenablement. Mais voilà, en fait, c'est surtout quand j'ai découvert que c'était à la base Turrican, je me suis dit, non mais c'est pas possible. Turrican, et qu'il y a des musiques... donc Turrican fait par Factor 5, hein, évidemment, et l'équipe qui fera énormément de très bons jeux aussi sur 64. Et donc, que c'est Turrican, un jeu Amiga, je me suis dit, non mais attends, c'est pas possible. Pas sur Game Boy, quoi. Et si. Ah non, mais c'est ça, c'est... Ça montre que la Game Boy, et ça montre aussi que Nintendo n'avait pas à faire, et n'a toujours pas à faire, en fait, d'ailleurs, comme ses concurrences, à savoir sortir les plus forts graphismes, etc. Vous aurez forcément des dingues qui seront là à prendre votre console et à vous dire, ah mais là on va faire un jeu de fou sur votre console, quoi. Imaginez GTA 6 sur Switch, quoi. Red Dead Redemption 2 sur Switch, comme ça, allez hop, en avant. Vous allez me dire, bah, y a déjà The Witcher 3. C'est vrai. Mais imaginez à l'époque de la sortie de The Witcher 3, quelqu'un qui vous dit, non mais votre jeu là, The Witcher 3, ou Doom Eternal totalement, imaginez la sortie du premier Doom, enfin du reboot de Doom, non mais on va vous sortir Doom, on va vous sortir le reboot sur un Nvidia Tegra X à la con, qu'on retrouve sur une tablette Android, les gens auraient dit, non mais vous êtes fous, c'est pas possible en fait, soyez honnête, c'est pas possible. Eh ben si. Cette musique là est dans Turrican. Papapam, papam, pam. Oh. Même avec un chipset sonore à la con. Regardez des cascades, quoi. Cascades. En fait,
Avec le prochain jeu, vous allez voir en fait. Vous allez comprendre pourquoi je m'extasie un petit peu sur les graphismes de la Game Boy et un peu et pourquoi je vous matraque le fait que c'est un processeur 8 bits à la con que Sharp a, qui coûte vraiment que dalle à produire. Vous allez voir en fait pourquoi. Parce que l'heure actuelle, ça semblerait fou en fait, qu'il y a. Vous allez voir où je vais en venir. Et ce qui montre que Nintendo est vraiment dans une autre ligue en fait quand il s'agit de consoles de jeux. Par contre, j'ai plus de vie. Hein. Aïe. J'ai rien dit. Un effet de vent. Bon, c'est tout qu'on va programmer, mais un effet de vent. Et surtout que vous remarquez bien qu'on est parti de Tetris, sorti en 1989, à un jeu en 92. Turrican 2 est sorti il y a pas trop longtemps, je crois. What the fuck, quoi. Bon, il y a un truc à faire. Hein. Ah, merci la flèche, c'est gentil. Surtout que j'ai envie de dire, je n'ai jamais regardé le film Universal Soldier. C'était pas le film avec... Oh merde. Celui qui a joué Colonel O'Neill dans le film Stargate. Putain, comment il s'appelle? Russell Crowe. C'est pas un film avec Russell Crowe, Universal Soldier? Ah merde. Bon, on saute un petit peu comme si on était sur la Lune. Après tout, on est peut-être sur la Lune. Ah, c'est JCVD. Ah bah oui, en plus. Merde. Mais pourquoi il a des... Pourquoi c'est les films avec JCVD qu'on les... Ah, Time Cop. Voilà. Film de Roland Emmerich. Ah, donc il doit y avoir... Alors si c'est un film de Roland Emmerich, il doit y avoir... un monument qui explose, voire deux. Des gros vaisseaux. Un virus informatique qui est dans un vaisseau alien parce que pourquoi pas les aliens utilisent Windows. Qu'est-ce qu'il doit y avoir d'autre? Ah putain, on peut faire la bouboule aussi. Samus n'a... enfin, Metroid... Et Metroid n'a rien à manger. C'est rigolo, ça. Si, parce que Metroid 1 est déjà sorti depuis longtemps. Mais du coup, oui, d'accord, mais... et donc... Ça doit être ça normalement. Voilà, boing boing. Donc quoi, ça peut aller vite. Hein. Ah oui, d'accord. Je suis réellement Samus. Mais. Wait. Ah oui, il y a du temps en plus. Thank you.
Du coup, c'est pas par là, alors. Lili-la-doum. C'est pas par là. C'est pas pam-pam-pam par là. C'est peut-être par ici, possible. C'est peut-être que par ici. Si je tombe, je meurs. Je tombe, je meurs. Si je tombe. Bon, j'ai pas noté le passcode, hein, parce que voilà. Ah, mais de base, on est en easy. De toute façon. De toute façon, on va pas le finir, hein, donc bon. Ah, super. On va attendre d'être à 1h30 de live et on lancera l'autre jeu. Qui aura beaucoup plus d'intérêt pour vous et pour moi d'ailleurs. Ah mais elle est très courte en fait. La longe hein, évidemment. Ouf, ouf, piou, 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 piou. En tout cas on le reconnaît bien JCVD hein. C'est le soldat universel, quoi. Non, si le titre québécois, c'est pas... le soldat universel. Regardez pourquoi Universal Soldier, en fait. N'a pas de sens. Typiquement, Starship Trooper, c'est con, mais ça veut dire quelque chose. Ah oui, GPT-JL. Je me souviens de ce mot de passe. Ça faisait JL. Après, poète, poète. Oh, bonsoir. Ah oui, parce que c'est un peu comme Mario, on peut sauter sur les ennemis aussi. Ouais, et donc. Il y a qui sont inclusifs. C'est universel, quoi. C'est pas par là. Poète, 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 poète. Scénario éculé un bon nombre de fois, ça. Nous allons créer des robots. Ils seront capables d'obéir à n'importe quel ordre. Et puis, bah, tout pomper. Eh ben non.
Très, très belle musique. Si j'y pense, je mettrais peut-être l'OST de Turrican, peut-être. Si j'y pense. Le truc que je me dis, c'est que pourquoi avoir appelé le jeu Universal Soldier que si c'est pour capitaliser avec le film qui venait de sortir, comme se poser la question en fait. En fait, je me disais, Turrican, c'est quand même mieux connu dans la communauté des gamers. Mais c'est vrai qu'à cette époque, les gamers... Si, c'est là qu'il faut aller, je suis pas fou. Et d'accord, off est également sauté, ok. Pouette. Pouette. On va essayer de remonter, il y a peut-être un truc. Mais... Non, oui. On va tous sauter dessus là. Ah, on est arrivé de l'autre côté. Un ou un boss, dis donc. Ok, d'accord. Ok. Je crois que je suis pas au bon endroit en fait. Bonjour. Oh, hey. Je codais avec les pieds quoi.
Aïe, bouille. Mais j'aimerais... D'accord. Ouais, bah j'ai pas compris. Hein. J'ai pas compris comment. Voilà, c'est. Là, j'ai pas compris. Bon. Est-ce qu'on va. Allez. On va changer. On va aller dans la main attraction. La main attraction de la soirée, évidemment. Et on va faire un bond dans le temps. Un petit bond dans le temps. Où cette fois-ci, nous ne sommes plus en 92, mais en 96. Arrive sur cette console, vieille de bientôt presque 7 ans de bons et loyaux services, même pas 7 ans de bons, même pas presque, 7 ans de bons et loyaux services, arrive sur cette console, encore une fois, un processeur 8 bits, de couleur, à pile, évidemment, arrive sur cette console, un très grand jeu, première version française, mais on va dire, c'est pas la première version, vous me comprenez, hein, évidemment, d'un jeu qui arrive, qui tourne toujours, entre guillemets, hein, la saga tourne toujours. Donc, il y a eu deux remakes, hein, un remake sur GBA et, pour moi, les Pokémon Let's Go, c'est des remakes. Des Pokémon originaux. Je parle évidemment de Pokémon version rouge. Moi, c'était la version que j'avais avant de la prêter, avant de l'échanger contre la version bleue. Mais en gros, c'est la première version que j'avais. Là, j'avais la version rouge. Et donc, on est parti 1996. Et ce jeu a fait que la Game Boy est repartie. Parce qu'un peu avant, la Game Boy a été un peu en perte de vitesse. Notamment face à la Game Gear. Surtout face à la Game Gear, en fait, du coup. La Game Boy était en perte de vitesse, parce que la Game Gear était couleur. Il y avait des jeux... c'était un peu une Master System Mini. Et là, arrive Pokémon. Et fait repartir la Game Boy pour des années. Parce que, encore une fois, rappelez-vous, 1996, la Game Boy Color n'est pas sortie encore. C'est encore la Game Boy Fat standard. Je crois qu'au Japon, il y avait eu la Game Boy Light, mais c'était encore la Game Boy Fat. La Game Gear n'a jamais vraiment marché. Oui, parce que il y a eu Pokémon. La Game Gear avait ses titres, mais la Game Boy était en perte de vitesse, en fait, fin 90. Surtout parce qu'en face, au niveau console de salon, on était sur des consoles 3D. La Game Boy était vraiment en perte de vitesse avec son écran monochrome. La Game Gear, elle, avait un écran couleur, avait pas une meilleure autonomie, loin de là, mais en tout cas avait un meilleur écran, avait des meilleurs graphismes. Et Nintendo arrive avec ce que Nintendo sait faire de mieux, enfin Game Freak arrive avec ce que Nintendo sait faire de mieux, entre guillemets, à savoir des jeux qui tuent sur du hardware de merde. C'est ça, mais comme je disais, la Game Boy arrivée fin 90, la Game Boy, console noir et blanc et tout ça, quoi. Mais ce jeu fera revendre des tonnes de Game Boy, fera revendre des tonnes de jeux. Je sais pas si 96 la Game Gear était quasi morte, hein, parce que moi je me souviens d'un pote qui avait une Game Gear et il y jouait encore. Après, ça veut pas dire morte égale machin, mais il y jouait, quoi.
Donc oui, elle s'est arrêtée après. Bah oui, parce que en fait, le truc, c'est ça. C'est que Pokémon, là, je vous dis, 96, c'est sorti évidemment au Japon avant nous. Évidemment. Donc au Japon, ça a explosé. Ça a revendu des Game Boy, etc. Sega, bah, du coup, s'est dit, ah bah merde, qu'est-ce qu'on fait? Et puis bah, le raz-de-marée s'est intensifié sur toute la surface du globe. Et du coup, ça a obligé Sega à arrêter la Game Gear. Mais j'ai jamais dit après que la Game Gear était meilleure ou quoi que ce soit. J'ai dit juste que la Game Boy était en perte de vitesse face à la Game Gear qui elle continuait bah, de montrer, bah, regardez, je suis supérieur, j'ai un écran couleur, etc. Bon, je dure que 3 heures, mais j'ai un écran couleur, etc. Bref, tout ça pour dire que le gros défaut de la Game Gear, c'est son autonomie. C'est son gros défaut, c'était son autonomie. C'était 6 piles, je crois. 6 piles LR6, et c'était vraiment de la chiasse au niveau de l'autonomie, en fait. Donc, pourquoi je voulais montrer Pokémon? Évidemment, parce que c'est un jeu que j'avais. C'était un jeu que j'avais, et surtout, pour que je vous montre, en fait, Tetris, qui est un jeu du début de la Game Boy, et Pokémon, qui est un jeu en fin de vie de la Game Boy, parce que quelques années après, je crois même l'année d'après ou 2 ans après, elle a été remplacée par la Game Boy Color. C'est 99, je crois, 98 ou 99, la Game Boy Color, je crois. Elle a été remplacée par la Game Boy Color. Mais n'oubliez pas que la Game Boy Color, c'est toujours le même processeur. Plus de RAM, plus de mémoire vidéo, mais c'est toujours le même processeur. Cadencé à la même vitesse, c'est le même processeur. Donc vous avez un jeu 8 bits alors que en même temps sur console de salon on est déjà sur l'ère 32 bits. C'est pas 98-99 la Game Boy Color? Ah oui, il y a le fast mode et le oui, c'est vrai. Il y a le fast mode et le mode compatibilité Game Boy, c'est vrai. J'oubliasse. Oui, tu me fais rappeler ça parce qu'en fait, sur le header des jeux Game Boy, tu as, enfin des jeux Game Boy Color, mais bon, voilà, tu as le header GBC pour dire au processeur de se mettre en mode fast. Et sur les jeux Game Boy, en fait, vu qu'il n'y a pas ce header, le processeur se met en mode de compatibilité Game Boy. C'est vrai, merci de le dire, parce que c'est vrai que j'avais oublié ce détail. En fait, moi, c'est parce que je partais du principe de quand tu mets un jeu Game Boy, ça tourne à la vitesse d'une Game Boy. Mais oui, du coup, oui, forcément, quand tu insères un jeu Game Boy Color. Voilà. Sachant que, d'ailleurs, le saviez-vous, mais comment, en fait, pourquoi. Enfin, c'est même pas pourquoi, mais ça tombe sous le sens, en fait. C'est. Certains jeux Game Boy Color sont compatibles Game Boy et peuvent tourner sur une Game Boy. Mais ce qui leur empêche de fonctionner sur une Game Boy, c'est le mécanisme de verrouillage de la Game Boy qui, si vous vous souvenez, a un petit loquet physique qui empêche en fait la cartouche de s'en aller et qui n'est pas là sur les cartouches donc de Game Boy Color. Et en fait, sur émulateur, on est capable de démarrer une ROM Game Boy Color en mode Game Boy. Évidemment, on va pas bien loin, hein. Le jeu crash ou alors il y a un écran disant ce jeu n'est pas compatible avec le hardware que vous utilisez. Mais en théorie, les jeux pourraient démarrer sur Game Boy, mais c'est juste que pour se dire bah non, c'est pas compatible, bah, déjà tu peux pas déjà le lancer sur Game Boy. Ce n'est pas possible. Mais sur émulateur. Entre guillemets, c'est possible, même s'il faut forcer l'émulateur. C'est pas l'émulateur se fait pas comme ça. S'il faut forcer l'émulateur et tout ça. Game Boy aux USA, c'est 5,4 millions contre 4,4 millions pour la Game Boy. Oui, ce qui est logique, parce que la Game Boy avait vraiment inondé le marché. Et quand je dis aller en perte de vitesse, c'est parce qu'il n'y avait plus de grosse hype autour de la Game Boy. Tout le monde était tourné sur les consoles 32 bits, PlayStation. Nintendo 64 et à outre mesure un peu, Saturn.
Et tout le monde avait un petit peu se disait, bah non, la Game Boy, ça commence à être dépassé, le futur, c'est les consoles de salon, les consoles portables seront toujours merdiques. Et là, sort Pokémon qui te dit, bah non, une console portable peut avoir des jeux de super qualité sans pour autant briller en termes de puissance. C'était ça surtout, en fait, ce que je voulais dire. En tout cas, eh ben, allons-y, 22h02, on va lancer, du coup, Pokémon. Avec un copyright 1999. Alors que le jeu est sorti en 96. Ah oui, c'est parce que c'est la rêve 1. Voilà, c'est la révision 1 du jeu, c'est pour ça en fait. Corrige pas mal de petits bugs qu'il y avait eu. Donc évidemment, on va lancer une petite partie de Pokémon tranquillement. Donc voici le professeur chiant. Voilà. Et on va appeler le prof Pokémon, le mec qui voilà. Oui, c'est ça, c'est le copyright français, ouais. Et surtout, c'est la rêve 1. Pour être exact. Après, je sais pas si pour la rêve 0, c'était le même truc, mais... En tout cas, la rêve 1, voilà, c'est ça. Parce que la rêve 0, je l'ai pas eu, donc... Enfin, je l'ai pas eu. J'ai pas eu la ROM de la rêve 0. Alors, quel est mon nom? Allez, on va s'appeler Sacha. Voilà. C'est quoi son nom? Il s'appelle Régis, parce que Régis est un con, évidemment. Dingue! Et donc nous voilà dans un monde en noir et blanc. Premier opus, entre guillemets, premier opus, évidemment. D'une grande saga du jeu vidéo, hein, la saga Pokémon évidemment, et de l'avènement de la Pokémania, où tout était à base de Pokémon, hein, les sacs à dos Pokémon, les chaussons Pokémon, enfin bref, il y avait un peu de tout. Surtout que Sacha a une Super Nintendo. Alors, Sacha a une Super Nintendo. Ce jeu est sorti, et c'est ça, c'est assez rigolo, parce que dans tous les Pokémon, évidemment, le personnage principal joue à une console. Donc là c'est la Super Nintendo, il y a eu donc du coup la GameCube quand c'était époque Advance. Mais à mon souvenir il n'y a pas eu de 64. Je crois que dans le Or et Argent c'était encore Super Nintendo je crois. Donc c'est très rigolo qu'il y ait Super, il y ait toutes les consoles sauf la 64. D'ailleurs, dans les derniers opus, c'est une Switch. Alors, on va récupérer la potion du PC, comme ça on sera fait. Évidemment, il n'y a pas le bug. Hein. Ouais. Ah, presque. Évidemment, dans la version japonaise, on peut aller dans Objet, utiliser la potion sur un Pokémon qui n'existe pas, ça fait bugger le jeu, c'est super. Alors évidemment, comme dans tous les Pokémon, on se dit, tiens, d'un seul coup, la journée est belle, pourquoi se rester confiné chez soi, autant aller autre part. Et là, on se fait récupérer par la marée chaussée, parce que on n'a pas respecté les gestes barrières. Enfin, je crois. Il faut un Pokémon pour te protéger. Mais non, mais j'ai un 9 mm. C'est pas le bon jeu. Ah, d'accord. Ah, il est de l'autre côté. Tourne-toi. Agis, t'es un peu con quand même. Je suis de l'autre côté. Mais d'accord. J'étais un sacré con, un sacré desseur. Il n'en reste plus que 3.
dis tout de suite que t'as tout perdu, quoi. Ouais. Alors. Salamèche. Alors le truc c'est que Salamèche, en gros bon, Salamèche, Carapute et Vulvizar. Et Salamèche sera pas intéressant tout de suite. Carapuce nous permettra de rouler contre Pierre, mais contre Ondine c'est chiant. Et Bulbizarre, contre Pierre c'est chiant. Enfin chiant, oui et non. Contre Ondine ça passe. Et par contre on se fera griller contre Major Bob. Donc... C'est déjà en train de hurler. Ah mais ça. Elle peut venir hurler si elle veut. J'ai remarqué que... C'est un sprite. Allez, on va prendre moi ce que j'avais pris. Évidemment, dans ma première partie, c'était évidemment Pokémon Rouge. Donc du coup, j'avais pris Dracaufeu comme un ormi. Évidemment. Mais je me dis... Est-ce que je prendrais pas mon fameux Carapuce? Parce que, évidemment, il y a un jeu formidable qui s'appelle PokéMMO. Et qui permet de jouer au Pokémon en mode MMO. Et j'avais refait du coup... parce que dans PokéMMO, vous avez accès à cette zone-là. Vous avez accès à la zone de Pokémon Or. Vous avez accès à la zone de Pokémon Perle aussi, je crois. Et du coup, dans cette zone-là, bah, j'avais pris évidemment mon Tortank. Donc au pire, allez, hop, on va se prendre le Carapuce. On roulera sur Pierre et puis c'est bon. Non, on va pas donner sur nous. Ça, lui, il va prendre évidemment... voilà, super. Comme ça, il aura lance-soleil. et puis comme ça, on sera content. Et puis c'est tout. Le panidi sacré. Invocation. Donc oui, petite anecdote. Je le dirai peut-être après. Bon là, on va bourrer, hein. Là, on bourre. Ah, bon bah, Carapuce a l'air d'être super en forme aujourd'hui. Super, Carapuce a l'air d'être super en forme aujourd'hui. Alors évidemment, c'est Pokémon premier du nom, donc vous avez, même si vous avez des correctifs de bugs, il y a toujours les bugs au niveau de la chance, les bugs au niveau de plein de trucs qui font que le jeu est un peu bugué du cul. En fait, c'est un petit peu le problème, c'est que c'est un jeu qui est sorti en fin de vie, entre guillemets, de la Game Boy, et il voulait mettre tellement de choses dedans. Ils ont voulu mettre tellement de choses dedans que du coup, forcément. C'est pas bugué, c'est la mécanique qui est différente. Oui, it's not a bug, it's a feature, ouais. Si c'est bugué en fait, Aglamo. Pour moi, quand par exemple tu as. Merci pour le coup critique. Ça, c'est l'esprit shonen, ça. Et salut Alice! Mais c'est ça, mais ça, le une chance sur 256, c'est un bug à la base. Hein. À la base, c'est un bug.
Oui, ça a été programmé comme ça, mais à la base c'est un bug. J'ai pas été prendre la carte. Quoique, je sais pas si pour l'instant là. Enfin, c'est pas un bug. Ce qu'on appelle en anglais un oversight. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils ont pas fait gaffe à la programmation en fait. Donc, oui, ça a été programmé comme ça, mais c'était pas voulu. Normalement, si c'était 100%, c'est 100%. C'est juste que ça a été... Ils pensaient pas, en fait, que le code allait faire ça exactement, quoi. Merci pour l'échantillon d'une potion. Ça fait deux potions, c'est cool. Ah, j'aurais dû configurer l'avance rapide sur l'émulateur. Pouette, 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 pouette. Hey, tu viens de Bourg-Palette ? Dis ça à cause de mon accent ou à cause de ma dégaine ? C'est pas marqué la poste, quoi. Connais prochaine. Il y a que 3 baraques, donc du coup, oui. Merci. Tu travailles chez Colissimo, toi ? Ouais. Je chrono poste. Voilà, signé en remise de colis. Voilà, hop, ta ta ta. J'ai la PS5, ta ta ta. Je suis Carapuce, il sert. Carapuce, on va le faire évoluer en... On va grind pendant 10 heures et puis voilà quoi. Tiens, je te le donne parce que bah. Voilà. Ah, c'est vrai le truc. Pourquoi tu m'as appelé? Donc ça veut dire qu'il est sorti, il a été jusqu'à la maison de Régis, il a dit hey, viens. Et puis il est reparti, et puis voilà quoi. D'accord. Ouais. Pas fou. Voilà. Donc du coup, tu demandes à des gamins de quoi? De 12-13 ans, plein d'hormones. D'aller parcourir le monde hyper dangereux pour remplir une encyclopédie. Alors, pour remplir une encyclopédie qui est déjà complète, parce qu'en fait, quand tu vas voir un Pokémon, c'est pas toi qui rentre l'encyclopédie, le truc se remplit automatiquement, donc... Bref. Merci. Oui, merci. Dix ans. Oh. Youpi. Alors, on va pas parler des IV et des EV, hein. Voilà, on va se faire un petit peu de game, donc on s'en fout. On s'en fout des IV, on s'en fout des EV. Mais c'est ça en plus. C'est ça le pire. Non mais oui, c'est tellement un sac quoi. Oui, en 1G ça n'existe pas. Ouais.
pour ça qu'on va pas en parler. Mais oui, dans les autres générations, il y a un système d'effort value et de... individual value. Là, on bourre et puis voilà, quoi. Il y a même la nature, évidemment, dans les... trucs suivants. Les éditions suivantes. Oui, le prochain, bon, voilà, quoi. Bonsoir. Hop. Oui. J'aurais pu aller chercher la truc. Mais... alors là, je ne sais plus ce qu'il y a comme mob intéressant, comme Pokémon intéressant. Je crois qu'ils sont pas très intéressants là, je crois. Pète les noix au bout d'un moment. Hein. Bon, dernière fois et après je me barre. Hein. Donc s'il connaît que j'ai de sable, on va peut-être éviter quoi. Parce qu'après forêt de jade, il y a chenipan qui peut être intéressant. Que faudrait faire évoluer jusqu'à Papillusion et puis de toute façon on s'en fout. Par contre forêt de jade, il y a une faible chance. Ah oui, c'est vrai, oui. Et ferro-singe aussi d'ailleurs qu'on peut avoir à cet endroit là aussi. Non mais oui. Ouais, Papillusion c'est sympa. Mais ouais, mais après faut le up, c'est... mais c'est vrai que oui, après Papillusion c'est cool. Ça peut être assez cool. Mais casse-toi. Après, dans la forêt de jade, il y a un faible pourcentage pour avoir un Pikachu. Après, je ne sais plus si c'est dans la rouge ou dans la bleue. Chercher après l'escalier. Bah Pikachu ça peut être cool contre Ondine quoi. Oui logique. Non mais je vais me faire laver le cul. Je trouve le bouton pour l'avance rapide en fait.
Ah mais oui, il y a des mystères, c'est vrai. Hey. Ah mais les noms sont formidables quoi. Non mais pas sur Ludo. Sur Ludo, c'est pas espace. Ça n'a rien changé. Okay. Ah. Ou Super Game Boy. Oh oui. Oh, je me souviens ça. Oh oui, je me souviens. Oui, évidemment. Voilà, boum. Mais c'est pas ce que je pensais. Parce que normalement, ça switch de couleur. C'est pas ce que je pensais, du coup. Ça, c'est si c'est lui, en fait, sur une Game Boy Color. Ah ouais. Ah ouais. Du coup, internal, c'est... Ah! Voilà! Ah, on va terminer le stream avec ça, tiens. Non, mais c'est pas là, en fait. Bon, c'est pas grave. Eh oui! Voilà comment c'était. Voilà comment on se niquait les yeux. Donc lui, l'anecdote, en parlant de niquer les yeux, j'avais lu dans un magazine à l'époque que les points d'expérience, alors, m'expliquez pas, ne me demandez pas pourquoi, et puis vous me demandez plus quel magazine, je crois que ça devait être un Player One ou je sais plus quoi, ou un Console Plus, que les points d'expérience étaient calculés en fonction du temps passé dans le combat, en fait. Et donc, enfant crédule que j'étais, c'était pas un numéro pour mes ravets, hein, je pense que je sais pas pourquoi ils avaient noté ça, en fait. Et en fait, j'ai laissé la Game Boy allumée pendant toute une nuit. Voilà. Le lendemain, pour gagner juste 10 points d'expérience à la con. Voilà, super. Mais ça m'étonnerait pas que ça vienne de Console Plus ou quoi que ce soit, parce qu'il était un peu réputé pour dire un peu de la merde. Donc, Alors, très honnêtement, Alice, tu dis c'était quand même moins vert. Très franchement, sur le retour que je vois là, c'est spot on. Hein. C'est vraiment... on dirait vraiment que je suis en train de capturer
une Game Boy, quoi. Filmer une Game Boy. En fonction des PV de l'adversaire. Bah, l'XP est pas fixe en fonction du... En fonction du niveau et tout ça. Enfin, si, quoi que tu vas me dire, c'est calculé en fonction du niveau, donc des PV, quoi. Forcément. Forcément. Oh, un pied à bec. Bon après quoique on s'en fiche un petit peu hein, c'est juste pour vous montrer Pokémon, donc on va y aller le plus loin possible, on va jusqu'à Argenta et puis ce sera très bien. Je l'ai déjà écume donc bon ça va aller vite hein. Qu'est-ce que tu branles là toi? T'es enfui. Alors, par là, je crois qu'il y a un truc. J'aime les shorts. Oh non. Hey, mais attends, tu as un fusil 9 mm. À l'attaque. Ah, il me sécrète. Non. Plus sur un type. Il est quoi déjà lui? Je sais même plus les types qu'il y a dans la première génération. Mais il est insecte, idiot con. Elle existait? Oui, il y avait déjà. Ah oui, vous regardez Tetris. Oui, c'est pas du Tetris, merde. J'ai pas changé. Bon, c'est pas grave, le stream va bientôt finir. Ouais, j'ai pas changé, ça va foutre la merde au niveau des chapitres. Ah. Non, c'est pas grave. Insecte poison, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai juste confirmation. Non, mais. Que je suis très fier de mon habillage, hein. Après la Game Boy, j'ai pas eu de Game Boy Color. J'ai pas eu de Game Boy Advance non plus, parce que comme je le disais, j'ai joué en émulation. La Game Boy Advance. J'ai un gros ordi portable, Packard Bell, avec un Intel Celeron. Voilà quoi. Et ça tournait. Ça tournait. Pas d'antidote. Vous vous rendez compte? Oui. Bah sans doute. Hein. T'as un Easy Note, je sais plus quoi, que j'avais revendu à un pote qui lui cherchait...
chercher un ordinateur plus de bureautique. Bah très franchement, j'ai envie de dire, même maintenant... L'émulation GBA, ça va, quoi, ça tourne, hein, y a pas vraiment pas de soucis. Hein. Non mais y a vraiment pas de soucis au niveau de l'émulation GBA, hein. Maintenant ça passe. Même si t'as une patate en tant que PC, ça tourne. Ah ouais, non, mais non. Quoique, petit Nuzlocke. Petit Nuzlocke, ce serait rigolo, quoi. Un Nuzlocke avec en starter Mewtwo. Ou pire, en starter Métamorphe. Pire, starter Métamorphe. On pourrait se dire Métamorphe, c'est cool. Mais Métamorphe... Je crois que le truc en plus de Métamorphe, c'est qu'il... il copie les stats, mais pas l'XP, mais pas les PV, je crois. C'était ça le truc. Il copie les stats, mais pas les PV. Ah non, mais Métamorphe, c'est chaud, hein. Parce que au début, forcément, tu vas faire morph sur les... que déjà, de 1, tu as en fait que... comment dire? Que les... Enfin, déjà, tu n'as pas de contre, en fait. Tu n'as pas de contre. Et en fait, tu copies bah, les stats de ton ennemi, donc du coup, t'as les mêmes stats. C'est pas simple, quoi. Et surtout, ce qui est encore moins simple, c'est par exemple comme là, avec Métamorphe, bah, tu copies Aspico, et après, tu peux plus refaire copier, en fait. T'es obligé de le rappeler, en fait. Je me souviens bien, obligé de le rappeler pour pouvoir reset son truc. Oh putain, un qui va... Évidemment, il va faire que défense, évidemment. Oui. Ah oui, c'est vrai, bah oui, du coup, oui, dans le 1, c'est vrai que tu perds, en plus, tu perds un tour, ouais. Le lore, attention, on a ouvert la Bible. Pokémon, c'est un jeu aussi qui a fait sans doute le bonheur de tout réparateur de Game Boy. Parce que tu devais sans doute avoir le bouton B qui devait être défoncé à force de matraquer le bouton. Vous l'entendez presque pas, dis donc. Bien si je peux, vu la qualité de
Qualité de l'émulateur, je peux jouer sur mon écran de contrôle. Oh, tu commences à m'ennuyer avec le port. Ah mais c'était pas tout. Oh. Ah bah si, il va falloir que je le level up, Ratata, au bout d'un moment. Super. On va se faire défoncer le cul, mais bon. Théoriquement, il est pas censé être plus rapide, Ratata. Quoique tu vas me dire, il est niveau 7, donc oui, forcément. Rapidité, tout ça, quoi. J'ai encore oublié de prendre des antidotes, je suis le roi des cons. Oui, non, bah oui, à la base c'était ça que je voulais faire, c'était aller acheter des antidotes en fait. Poussez-vous. On va juste aller jusqu'à Argenta et après on arrêtera hein, de toute façon. Juste pour faire cette fameuse soirée Game Boy. Ne pas oublier d'aller acheter des antidotes, c'est quand même sympathique. Non ? Que je regarde évidemment les écrans de contrôle, je regarde pas ce que je fais. Allez, let's go. Michel, j'ai complètement zappé qu'il y en avait un là. Non, c'est pas par là, c'est par là. Elles sont sur un Pikachu. Bah du coup, ouais, le problème c'est qu'il va mettre armure à chaque fois, quoi. Même si bon. Pretty cool. Tout.
Donc normalement c'est dans ce coin là où il y a des Pikachu. En fait, Rattata, je crois que c'est Rattatak, en fait, une fois que Rattata a évolué en Rattatak, il a Croc de mort aussi. Qui est intéressant. Et Rattata a pas mal de vitesse aussi. Donc il attaque en premier. Qui est encore plus intéressant. Est-ce qu'on peut se trouver un petit Pikachu là? On se parle. Très très étonnant. Non, bon, on va se barrer. Même avant, il y en a. Moi, ouais, c'était ce petit patch là. Ah ouais, peut-être là aussi. Il y a quelque chose là, non? Oui. Qu'après bon et on va se barrer formidable. Non, c'est pas grave, hein, si Rattata se fait tuer. Un petit coup critique là, un petit coup critique. Non, oui. Dommage. Des carapuces qui va tout récupérer. Let's go. Ouf. Allez, let's go to Argenta et on sauvegardera et puis on s'arrêtera là. Je sais pas si on continuera sans doute pas, hein, de toute façon. Vu que j'ai déjà prévu ce qu'on fera par la suite. Après, quoique, l'émulation Game Boy, ça demande rien. On pourrait se faire ça vraiment... Quand j'ai pas mon setup pour stream, on pourrait se faire ça sur tout et n'importe quoi, en fait. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Ça fait déjà 2h24 de live. Ça fait donc une petite VOD à 2h14. C'est cool. J'espère que du coup, ça vous aura plu, cette petite soirée sur 4 jeux Game Boy à travers les âges. Parce qu'on a commencé par le tout premier jeu qui est Tetris. Et là, sur un des derniers jeux Game Boy pur. Même s'il y a eu Test Drive 6 aussi qui est sorti un petit peu après. Test Drive 6 et plein d'autres petits jeux aussi qui sont sortis aussi sur Game Boy, mais on arrive un petit peu vers la fin de vie de la Game Boy qui sera remplacée par la Game Boy Color, puis évidemment après par la Game Boy Advance, dont tout le monde était en mode ouais, c'est une Super Nintendo portable et tout. Game Boy Advance qui utilise un processeur ARM et on voit que tout s'engraine si vous avez suivi un petit peu les actualités. Autour de l'architecture ARM qui est très très prometteuse en termes de puissance et évidemment en termes de, d'économie d'énergie, notamment pour des dispositifs portables. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve donc demain à 20h30 pour du Kaiser 3
où on essaie de terminer la mission 9. Je pense qu'on la terminera. Théoriquement, on est presque à la fin de la mission 9, donc théoriquement, ça devrait être bon. On devrait pas prendre non plus 3 streams pour la terminer. Donc je pense qu'on la terminera demain. Si vous êtes sur YouTube, bah, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépendra quand est-ce que vous regardez cette VOD. Et moi, je vous dis à bientôt. Stay safe. Et portez-vous bien, c'est la même chose d'ailleurs. Allez. Bah, à demain. Et puis c'est tout. Allez, ciao!